Au sommaire de l'actualité gouvernementale de cette semaine, dans le cadre de la promotion et le rayonnement de la culture guinéenne, le président de la République s'engage à faire de la Guinée la capitale africaine du livre. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de clôture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouve JT. Après une année riche en activités toutes consacrées à la promotion du livre et de la lecture en Guinée, le président Alpha Condé a présidé le dimanche 22 avril la cérémonie de clôture Conakry, capitale mondiale du livre, couplée au lancement officiel de la saison culturelle et sportive de Guinée 2018. Le point avec Aboubacar Sidiki Mané. L'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017 aura permis au pays de Camara Laye, Kierno Moné Nembo, William Sassine, professeur Djibril Tamsir Nyan, tous monuments de la culture africaine, de proposer des activités multiples et variées sous le prisme de l'innovation et de la créativité à travers la création de points de lecture et la distribution de millions de livres dans tout le pays. Pendant une année, la Guinée et le commissariat général de l'événement ont prouvé aux professionnels par le monde que la belle capitale guinéenne, au même titre que les villes précédentes ayant abrité cet événement, est aussi un temple du livre et de la culture. Les partenaires nous ont aidés à construire des points de lecture à Conakry. Beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires nous ont aidés à amener 2 millions de livres à Conakry. La Guinée pourra s'inscrire dans les 10 années à venir comme capitale africaine du livre. Ce rendez-vous qui s'achève a contribué à la finalisation et la validation de la politique culturelle de la Guinée en novembre 2017, dont la mise en œuvre permettra non seulement de faire la proposition des industries culturelles et créatives, dont celle du livre, mais aussi de créer des milliers d'emplois sous-entendus par l'art et la culture pour la jeunesse guinéenne. Consolider nos acquis et aller de l'avant, de sorte que la flamme allumée par Conakry, capitale mondiale du livre, ne s'éteigne plus. Tel est désormais le défi qui nous incombe. Nous en sommes parfaitement conscients. Avec l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre, la belle capitale guinéenne s'inscrit désormais au panthéon du livre. Le président Alpha Condé s'engage à faire de Conakry la capitale africaine du livre, mais pour cela, il préconise que l'édition des livres se fasse aussi en langue nationale. Si nous voulons que la lecture se développe, il faut que nous développions les livres en langue nationale, que nous développions l'alphabet, que nous développions en langue nationale. Car nos citoyens méritent dans très bien leur langue. Si dans l'alphabet, il est facile d'avoir accès aux écrits les plus compliqués. Après la ville polonaise de Wroclaw en 2016 et Conakry en 2017, c'est dans la capitale grecque d'Athènes que les professionnels du livre ont désormais rendez-vous jusqu'au 22 avril 2019. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. Le gouvernement et ses partenaires de la santé entendent renforcer le système sanitaire guinéen. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé, depuis une semaine, est en mission de travail à l'intérieur de la Guinée. À la maternité de l'hôpital régional de Cancan, Abdourahmane Diallo a procédé à la remise d'un lot d'équipements et matériel sanitaire en vue de faciliter les accouchements, mais aussi permettre de faire face aux urgences. Fruit de la coopération japonaise avec le soutien de l'OMS, ce geste qui s'élève à plus d'un million de dollars américains s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la résilience du système de santé en Guinée en faveur des 15 districts sanitaires les plus touchés par la maladie à virus Ebola. Dans le cadre de la clôture de l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre, dimanche 22 avril, le président de la République Alpha Condé a procédé à l'inauguration des bibliothèques nationales et celle du professeur Djibril Tamsir Nyan, ainsi que deux points de lecture. La création de ces édifices s'inscrit dans la promotion et le rayonnement de la culture guinéenne. Le gouvernement entend innover pour surtout toucher la couche juvénile en procédant à la numérisation et à la digitalisation des œuvres guinéennes. Pour atteindre cet objectif, les autorités comptent sur l'appui de la population, mais aussi celui des médias pour vulgariser les œuvres littéraires et sensibiliser sur l'importance de la Bibliothèque nationale de Guinée.
La 20e réunion du comité des experts des douanes de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes a ouvert ses travaux cette semaine à Conakry. Cette rencontre qui réunit les experts douaniers des 23 administrations membres de l'OMD et également les hauts représentants des structures régionales et des institutions internationales sert de pôle de discussion et d'échange entre les différents participants. Objectif, exposer les préoccupations majeures affectant l'administration des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de mettre en place un projet commun de facilitation des échanges et sécurisation de la région. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a reçu en audience une délégation belge. Après avoir exposé les objectifs de la mission, la délégation a mis en évidence toute une série de problématiques en relation avec l'environnement, la gestion des ressources naturelles, l'assainissement et la lutte contre l'insalubrité. Pour sa part, la ministre Assiétou Baldé s'est engagée à un partenariat avec cette mission belge. Le ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle de l'emploi et du travail, Damantan Albert Camara, a reçu cette semaine une délégation de l'OIF en visite de travail en Guinée. L'objectif était d'échanger autour des questions liées à l'enseignement technique et professionnel, ainsi que plusieurs autres volets de collaboration entre les deux institutions. La mission a également fait état de plusieurs autres aspects touchant les axes de collaboration entre les deux institutions, tels que l'Institut de formation à distance des maîtres dont l'adhésion reste libre, les réformes dans le programme sectoriel, l'élaboration de programmes de formation en approche par compétences APC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro GouvJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.